jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. John Henley, Juan José Dorado, Paola Martinez et Paolo Levi. Oui, alors c'est la 76e édition du plus grand festival du cinéma au monde. Cannes, ses palmiers, sa croisette, ses starlettes et ses vieux. Écoutez. 76 ans, c'est l'âge du festival. Et moi, je suis encore plus âgé que le festival. Ça, c'est Michael Douglas et Harrison Ford. On écoute Harrison Ford. Monsieur Harrison Ford! Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you. They say when you're about to die, you see your life flash. Ils disent que quand tu es sur le point de mourir, tu vois ta vie passer devant tes yeux. Et là, je viens, c'est exactement ce que je viens de voir juste devant mes yeux, parce qu'il lui avait fait un petit montage de ses plus grands rôles, évidemment, puisqu'il a eu la palme d'or, une palme d'honneur surprise hier. Juan José, ça fait marrer, ça. Parce que je pensais, il vient. Hein. Ah oui, il vient. Lui, c'est vraiment aussi. Hein. Ah, oui. 38 ans, ça fait pas, ouais, ça fait pas vieux. Je peux vous l'assurer. Non, mais je rigole parce que mon fils m'est posé la question. C'est qui celui-là avec Harrison Ford? Mais parce non. Que, mais Star Wars. Mais non, mais mon fils, il a 15 ans. Et alors, mais Star Wars. Mais vous lui avez pas montré Les Aventuriers de l'Arche Perdue? Non, mais. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, il va le voir. Mais les autres, pour lui, c'est un vieux. Ah ouais. Alors, il voit qu'il est à Cannes. Oui, mais il va vous traîner au concert Douglas. De Beyoncé, qu'est-ce c'est voulez-vous ça vous allez au concert voilà, de... moi j'irai au concert de Beyoncé avec mon fils, parce qu'il faut l'accompagner, il a que 15 ans. Donc il faut l'accompagner. Mais non, pour vous dire, je suis d'accord, parce qu'en en fait... Pour nous, c'est quand même quelque chose de magnifique. Je pensais, quand vous parliez des Douglas et des Harrison Ford, je pensais à Sean Connery. C'est des acteurs magnifiques qui nous ont fait grandir parce qu'on a rêvé, avec eux. Donc, c'est vrai que les jeunes les connaissent beaucoup, beaucoup moins. Peut-être que mon fils, quand il verra Indiana Jones le cinquième, là, il saura dire qui a raison fort, peut-être. Pour votre fils et pour tous les autres et pour les auditeurs de RTL, quelques mots de la bande-annonce du Indiana Jones 5. Oh là là, je vais y arriver. Alors. Je ne crois pas à la magie. C'est toujours la même voix française. Bon, c'est magnifique. Hein. Ouais. Il m'est arrivé dans ma vie. Une belle voix. Je ne sais plus comment ça s'appelle. De voir des choses. Des choses inexplicables. Et j'en suis venu à penser que l'essentiel n'est pas tant ce que l'on croit. C'est à quel point on y croit. Pas beau ça? C'est pas beau? Allez, une pause. Et dans un instant, une histoire incroyable sur RTL. Une histoire qui vous a tous bouleversés.